bonjour à tous. Bonjour. Alors déjà, joyeux Noël. Joyeux alors, Joël. Je suis avec ma fille, donc 30 ans, 60 ans. Voilà, comme ça là, c'est en direct. Et donc, je vous ai montré en vidéo tous les produits que j'ai mis sur tous les Fanta, puisque ça va toujours dans la lignée des vidéos que je fais pour essayer des produits. Et là, ce qu'il y a de bien, c'est que comme ma fille est là, eh ben, on va pouvoir essayer en direct et voir la différence un petit peu de ce qu'il y a. Est-ce que tu as déjà regardé un peu les produits que toi tu voulais? Oui. Alors, vas-y. Toi, tu choisis. Oh, ben, c'est clinique, c'est sûr. Alors, comme les pros. Clinique pour les peaux à problème. Voilà. Et moi, je vais prendre Nars. Voilà, je ne l'ai pas encore essayé et tout. Ce que j'espère, c'est que la teinte va aller. Nars narcissique? Non. Ah, c'est un petit peu de ça, hein. Fiji, j'arrive même pas à lire sur mes yeux. J'ai pas mis mes lunettes non plus. Eh oui. Non, mais tu es sérieuse? Nars. Non, Nars. Attends. Ouais, bon, valable 24 mois. Après ouverture. C'est écrit trop petit. C'est pour la teinte. Et on voit même pas avec le. Mais il est un chouïa plus foncé que le mien, moins rosé, plus dans les beiges. Ouais, mais j'ai l'impression. Ce que moi. Oh, vous savez quoi? Non, je vais prendre l'Estée Lauder. Vous savez que j'ai essayé le premier, j'avais adoré. Donc, on va commencer par les primers. Alors, ma fille ne connaît pas trop avec tous ces produits. Ça fait très peu de temps que tu utilises et tout. Le primer, c'est top. Ça, c'est donc, il y a The Ordinary. Tiens, tu vas pouvoir le faire. Et ça, c'est une base, c'est pour les imperfections. Elle va vous faire ça tout le long de la vidéo. Mais oui, elles font tout ça. Oh, pétard, j'ai parfait mes ongles. Bon, bah, c'est le lendemain de fête. Hein. Oui, c'est Noël. On est le jour de Noël, là. Donc, vous voyez ce qu'on fait, nous. Et tu le sens que... Il y a du silicone. Tu mets dans la main d'abord. Hein, bon. Non, moi je mise directement comme ça. D'ailleurs, celui-ci, tu peux le garder, il est pour toi. C'est pour les imperfections. T'as un que chêne. La chose que t'as mal faite, c'est que tes cheveux, ils sont un petit peu en avant, là, sur ton visage. Pour oui, c'est pour cacher mon front. Ah, j'ai un gros cerveau. Bon, bah écoutez, si à 30 ans, elle se trouve des défauts, qu'est-ce qu'elle dira quand elle aura mon âge? Je dirai plus rien, je m'en ficherai. C'est sérieux? Non, mais toi, t'es bien. Oui, mais bon, quand même. Ben si. Alors, tu n'as même pas le double menton. Non, ça, c'est vrai. Hein. Ça fait bonne mine, pardon. Moi, j'utilise Poreless. De toute façon, c'est celui-là. J'en essayerai d'autres, mais... À toi, je te... Il y a, voilà, celui-ci que je vais d'ailleurs... Ah, mais c'est... D'accord. Ça, c'est d'abord. Alors, ça, c'est un anti-imperfection. Oui. Ah non, mais ça, c'est la mienne. Je peux pas te la donner. C'est celle-là. Bah, c'est voilà, celle-là. C'est ce que je viens oui, de non, mais je suis désolée. C'est celle-ci, en fait. Regarde. Imperfection, non? Oui, il est trop. Donc, Surface Mousseur and Primer. Voilà. Eh oui, non, non. Mais je vais en avoir un autre, oui. Donc, il faut que j'en remette aussi. Ah bah oui, c'est pas la même. Ah oui, il est beaucoup plus fluide en fait. Ouais. Waouh. Ah, j'aime bien. J'aime bien. Qui c'est qui dit ça? C'est qui a fait tududu? C'est le chat. On a Nemo qui est là, il est juste en face, mais bon, il y a de grandes chances que... Ah, je préfère, là ça... Ah oui, là c'est mieux. Tu vois, siliconé. Ouais. Oui, mais donc, comme celui que j'utilise à la maison. C'est donc celui-ci. Ordinary. Alors, maintenant, si tu veux, regarde. Et alors sous les yeux, hein, pour activer. Hein. Ben normalement, il ne faut pas en mettre sous les yeux. Ah, moi, je mets partout. Moi, j'écoute rien. Tu as The Ordinary en primer. Tu veux le mettre? Ben là, il n'y a pas besoin. Si. Ah, si. Ah, bon. Moi, je mets donc le Poreless. Alors, j'en ai pas tellement eu d'autres. J'attends des produits encore... Alors, je vous montre encore comment c'est. J'aime beaucoup. Alors, elle est super fluide. Mais on voit à l'envers. Est-ce que quand ça va être filmé, on va voir à l'endroit? Oui. Bon, tu sais que je me suis posé la question. Mais elle va vous faire ça tout le temps. Oui. Celui-ci, c'est sur la zone T. Je te rapporte pas. C'est celui-là. Ah oui, j'ai cru que c'est... Bon, oui, parce que moi, je... D'ailleurs, pour que ta zone T, pour camoufler, est-ce que tu as les pores apparents? Tout, oui. Alors, tu vas en prendre un tout petit peu que pour le nez et où tu as les pores apparents et tu vas me dire déjà l'application, ce que tu en penses. Regarde ce que ça fait. Ça évite en plus la brillance. Oui, tu as le miroir, toi. J'ai un troisième œil. Ça, c'est l'avantage à 60.
a pas de bouton qui pousse dans ma nuit. Rien du tout. Non, ça fait 5 jours. Alors, comment il est le produit là? Il y a des agrumes dedans. Oui. Tu tapotes un peu? Ah bah oui, parce que le citron, soi-disant, ça resserre les pores. Alors, je sais pas exactement ce qu'il fait, mais t'as vu comme ça. Comment on dit? En fait, c'est poudré le teint. Oui. On dirait qu'il est poudré, ça. Ouais. Bah, ça, c'est depuis. C'est lui. Ah oui? Oh, bah, tu vois, il a à peu près la même accent. Ah non, et puis celui-là aussi. Bah, ces deux-là, je te les donne si tu les veux, si tu aimes. Ah bah, si tu les utilises pas. Alors, j'ai pris Estée Lauder et toi, c'est Clinique. Donc, on a chacune notre éponge. Alors, celui-ci, il n'y a pas de... Légèrement humide. Pas de flacon pompe. Donc, je vais y aller comme ça. J'ai main qui glisse. Enfin, moi, personnellement, ça ne me dérange pas trop. Oui, j'ai prévu justement ça. Ah, la teinte, je crois. Ah, c'est cool. Oh, il a, donc ça, il a une odeur. Ça, c'est fond de teint. Oui, c'est fond de teint, donc tu mets partout. Il faut mettre pas mal, hein. Tu mets 2-3 trucs comme ça à peu près. C'est pas trop ce maquis. Ma fille ne se maquille pratiquement pas. J'en mets à peine, ouais. Tu me diras, tu te maquilles un peu plus ces derniers temps quand même. Hein. Alors celui-ci, il a une couvrance. J'allais le faire au doigt. Je vais avancer un petit peu. Ah, t'allais le faire. Pourquoi chez toi, tu fais au doigt? Non, je fais avec ça. Ah. Alors j'ai mis mon petit... Ah oui. Ah non, mais rien. Bon, ça me fait une peau de perche. Non, c'est comme ça, ta peau, si tu frottes, ça... Oui. Oh, ouais, oui. T'as vu comme ça change? Pétard. On dirait que j'ai mis un filtre Snapchat. C'est pas possible. Voilà. Voilà, là, pour éviter de mettre des filtres. Et puis la tête est super. Ben ouais. Oh bah écoute, ton prochain cadeau, parce que t'en as quand même oui, quelques-uns. Oui, j'en ai pas mal même du maquillage. Hein. Ouais, mais les fonds de teint. Moi, je trouve un petit peu clair quand même, là, pour moi. Il est plus clair que moi, ouais. Ouais, bon, c'est pas grave, de toute façon, hein, comment on va faire les... Tiens, je vais utiliser des produits crème pour faire le contouring. J'ai eu justement celui de By Terry. Alors, comment je vais l'utiliser, je sais pas trop parce que je le connais pas. Voilà, By Terry, donc, et il se présente comme ça. Mais je me suis dit que c'était peut-être pas mal. Je vais voir avec ça. À mon avis, il est pas assez foncé. Ben, j'ai pas besoin de mettre une seconde couche, moi. Ben, moi non plus. Je vais prendre ces produits-là. Alors, ça se présente comme ça. Je trouve pas mal. Et de l'autre côté, il y a une petite éponge. Alors du coup, je sais pas si c'est pas un anti-cerne. Un peu clair, ouais, hein, non? Mais... Oui, ça fait anti-cerne. Je sais pas. Oh, mais t'es blanche. Mais oui, hein. C'est vrai qu'il est trop clair. Il se moque. Moi, bon, ça fait rien, je vais pouvoir... Ah non, ça m'a l'air pas mal, mais je crois que tu peux le porter tout seul, celui-là, comme ça. Ouais, on va voir. On va mettre les produits, bah, tu vas essayer toi aussi. Anti-cerne, là, non, dans l'ordre-là. Alors là, t'en as deux. Oui, on va faire l'anti-cerne. Alors, pour les anti-cernes, ils sont là. Alors là, j'ai un choix, ma pauvre. Le meilleur de ce que moi, je connais, je peux dire. Alors, tu as le Tarte, regarde, Tarte. Ça, moi, je prends le Tarte. Ben, moi, je prends... Tu peux prendre aussi le Tarte, si tu veux. Oui, tu peux en essayer. Celui-ci est très couvrant. Rouma. Celui-ci est très couvrant. Moi, j'arrive pas à l'ouvrir, le Tarte. Ah. Alors, je vais essayer un autre, parce que ça veut dire que non. Non, mais je crois que celui-là, il est un peu plus foncé. Il est trop foncé pour mon teint, maintenant. Je crois que ça va être n'importe quoi, cette vidéo. Je sais pas. J'arrive pas à l'ouvrir, le Tarte. Ah, si. Wow. Ça prouve que c'est neuf. Ah oui, ben, tout le monde le connaît, hein, le Tarte. Ah oui, c'est pas mal. Regarde ça, le couvrant. Alors, le fond de teint, c'est comme ça, hein, moi. D'accord? Les points de lumière. Alors, toi, tu n'en mets pas beaucoup. Ben, là, je fais comme moi, je fais en général. Ouais, je vais pas la forcer, hein. Non, mais après, s'il faut en mettre ailleurs, faut me le dire. Alors, moi, ce que j'aime avec le Tarte, c'est que, regarde,
Ou tu peux l'essayer dessus si tu veux. Ça enlève, regarde, ça camoufle. Tu n'as plus de cerne du tout. Alors, c'est sûr que la peau... Pas oublié que j'ai 60, hein, moi. Putain, bientôt mais 60 printemps. Le contraste est encore plus fort avec elle à côté. Il est vraiment, vraiment trop clair ce fond de teint. C'est dommage. Marilyn Manson. Ouais. Bon, bah... Oui, on voit même après le coup. On va voir si je peux réchauffer un peu le teint. Mais alors, le fond de teint, par contre, il est... Ben là, moi, l'anti-cerne, c'est bon. Elle a mis pour mon tour, voilà. Voilà. On voit encore à côté. Essaye voir le tarte, tu vas voir. Ben, à l'écran, on ne voit pas. C'est là que tu dois regarder. J'ai terrible. J'ai cette petite chose aussi, donc que j'ai prise et avec deux embouts. Donc vous en avez un. J'ai du mal avec les trucs. Là. Voilà, plus foncé. Bah, écoutez, hein, je vais y aller moins franco là, parce que du coup, il faut que je réchauffe mon teint. Hein. Parce que là, ouais, ça va pas aller. On a bien dit qu'on faisait un maquillage d'Halloween. Non. Non. Voilà, c'est... Oula. Ah ouais, j'aime bien. T'aimes pas le contraste, toi? Ah bah, ça fait maquiller. Quand on n'est pas habitué, je comprends. Hein. Bon, allez. On va essayer de réchauffer ça. Alors, on mettra quand même dessus une poudre. Parce que les produits crémeux, c'est bien, mais moi, je... Ah, je mets toujours la poudre pour fixer. Voilà, ouais, dessus. Mais en fait, là, ça va être carrément pour le... Ouais, regarde comme ça se fond bien. Mm-hmm. En fait, ce qu'il y a de bien, tu vois, c'est qu'avec les produits crémeux, eh ben, ça fait plus naturel, j'ai l'impression, moi. Ça se fond tellement bien. Là, moi, je mets trop foncé. Mm. J'ai pas de double menton. On a l'impression que j'ai un creux maintenant, regarde. Hein? Oh, regarde. Oui, mais si tu fais ça moi, avec, hein. Bon, j'ai estompé un peu, là c'est mieux. Ouais, alors vas-y maintenant pour réchauffer ton teint. Donc. Ça, je le pose. Ah, je le prends, merci. Alors, je vais réchauffer mon teint. Avec quoi? C'est moi, je suis habituée aux poudres chez moi. Est-ce que tu as envie de tenter le coup quand même avec les crèmes contouring? Là, t'en as deux, oui. Oui, oui, oui. Là, tu as pour donc. Ouais, puis ça peut-être, sera. Peut-être avoir... juste. Oui. La T. Voilà, et là, thé. L'autre. Je vous dis franchement, je ne sais pas ce que ça va donner, mais j'ai l'impression que c'est mal parti. Voilà. Non, ça réchauffe quand même un peu le teint. Tu vois, ça... Oh là, j'en ai mis. Oh là, c'est. La claire, là, oh. Je crois que ça pourrait me servir pour ici. Ouais. Là, j'ai mis un peu trop. Ah, ben, il va y avoir la couche. Hein. Ça, faut tirer un peu quand même. Hein. Tapoter, oui. De toute façon, il faut prendre le temps. Ah, c'est sûr que si toi, tu es habitué à faire un maquillage vite fait, là. Là, tu vas trouver que c'est long et que c'est peut-être une perte de temps. Non? Mmh. Qu'est-ce que t'en penses? Non, mais c'est après, ben, à force de faire, après, t'as les magnétismes, donc du coup... Les automatismes? J'ai dit magnétisme. Oui. Bref. Ah, c'est le lendemain de Noël, on n'a pas beaucoup dormi. Doudou, comment c'est la musique de X-Live? On n'a pas beaucoup dormi. On s'est pas couché trop tard. En plus, on ne boit pas d'alcool. Mais c'est l'excuse. Ah, mince. On n'a pas beaucoup dormi. Pardon. Alors je vais glisser. Ah non, j'ai une non mais c'est poudre. Génial en fait ce truc là. Je dirais que j'ai maigri des joues. Je suis contente, elle découvre un truc. Tout facette. Gardez la poudre. Et j'ai envie carrément de faire un truc. C'est de laisser chaud, obligé de passer devant, pardon. Tu sais quoi, j'ai envie de l'essayer. Je vais la mettre sous les cernes. Sous les selles. Rouler à l'aisselle, c'est le film. Les doubichous. Ouais. C'est les gâteaux dans Le Père Noël est une ordure. Il est tellement fin, mais je le voulais celui-ci.
Le problème avec tous ces produits-là, c'est que c'est un budget. Ah, moi, j'aime bien. J'aime bien. Ah, oui. Et sur le reste du teint, je vais mettre ma poudre. Laisse effet nez fin. Pardon. Pardon, je passe devant carrément. Elle a les gros pinceaux. Ouais. Putain, on dirait que mon nez, il a rapt ici. Enfin, dans le miroir, après, à la caméra, je ne sais pas. Là, vous avez en direct la découverte de ce que le maquillage est capable de faire sur un visage. Alors, elle est déjà jolie, ma fille. Tiens-tu. Oh, ben, c'est pas être gentil, c'est être réaliste. Bon, par contre, mon troisième œil, il part pas. Ah, tu l'as pas camouflé? J'ai oublié. Je m'y suis bah, faite. Tu peux encore, t'es pas poudré. Oui, voilà, je vais. Alors, prends le tarte peut-être et tu le tapotes, mais doucement pour le laisser couvrant. Par contre, il va bien se fondre. Mmh. Alors là, je vais peut-être. J'adore. Ouais. Je suis contente. Je peux vous laisser deux secondes avec elle. Vous savez ce que j'ai oublié de prendre? Les crayons de sourcils. Ah oui, c'est important, les crayons de sourcils, quand on n'en a pas beaucoup. Alors oui, elle vous laisse avec moi. Bon, on a un magnifique feu de cheminée. Il manque plus que la musique de Noël quand même. Oh, mais je vais peut-être la rajouter. Alléluia. Ah, bah tiens, à ce propos. Alors, ma fille a une chaîne de musique musicale. Je vais vous mettre le lien dans le quoi, comment on dit encore? Dans le descriptif. Dans la barre info. C'est dur. J'en ai pris 4, j'en ai reçu d'autres depuis la dernière fois. Ah, je vais essayer avec ça, camoufler. Je peux? Oui, oui, bien sûr, mais je ne sais pas si c'est assez couvrant. On va voir. Pardon. Alors celui-ci, je l'ai essayé la dernière fois avec vous. Et j'aime assez, mais sans plus. Là, j'ai un crayon à sourcils, mais ultra brun, certifié bio. Par contre, j'ai pas la marque dessus. Je la vois pas. Avril. Là, il y a Révolution. Golden Rose. Mais celui-ci, je sais pas. Je crois que c'est le Nocibé. Il y avait écrit Avril. Ah, c'est Avril. De rien. Mais comment je fais d'habitude, je sais pas. Sourcils, parce que là, comme je disais, on dirait un cul. Pareil. Je sais que c'est mon frère qui disait ça un jour à la piscine, j'ai plongé, il m'a dit, oh, on dirait un cul. Moi, j'étais jeune, quand on est jeune, on n'accepte pas ça. Du coup, je vais prendre... Tu t'es pas poudré. Je me suis pas poudré. Je vais prendre... Alors, je te conseille... Là. Ah. Too Faced, tiens, ça c'est le pinceau pour... Sous les yeux. Ah, il est cassé? Non. C'est des cœurs, je croyais que c'était... Le buffer que t'as pas fait avec ta main. Ah oui, j'ai pas montré. Oui, j'avais le petit... Ah bah, tu peux te servir de ça, pour sous les yeux. Non? Non, ça va, le pinceau. Tu rajoutes pas de bûche hein, à la cheminée, parce que j'ai chaud, moi, là. Ah, Covid. Ouais, non, c'est la poudre. Donc ça, j'en mets partout. Non, juste en dessous des yeux. Ah. Après, tu vas mettre la merci. Oh, vous foutez tout. Oui, mais pour fixer le reste. Là, le merci. Valérie? Oui. Ah. Tu connais? Valérie, le merci. Ouais, elle a fait des poudres. Je vais mettre là. Et c'est le gros pinceau... Claire, là, c'est pas celui-là. Ça, c'est pour. Voilà, celui-là, tu peux le ranger. Ouais. Tout lui mettre. Non, le gros là. Voilà. C'est très, très bien. Et donc là, moi, je te conseille de tapoter dedans. Tu tapotes un petit peu. Mi, et puis, tu vas là. Mi, mon chaton. C'est l'effet Valérie, le merci. Comment elle fait? Mi, 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 mon chaton. C'est quel film? Les Visiteurs. Oh là là, combien de fois je l'ai vu? 37 fois, Cléo. Dites-moi si vous avez vu Les Visiteurs et combien de fois. Et si vous aimez pas, abstenez-vous. Elle est beaucoup plus dure que moi, ma fille. Elle est directe. Bon, je les ai fait fin, là.
Là, j'aime bien. C'est beau, là, la peau. Oh, t'as un beau teint. T'as un teint magnifique. Tu es magnifique. Dankeschön. Les sourcils, moi aussi. Hein. Ah oui, bah fais les sourcils. Alors, tu as plusieurs choix, regarde. Un clair, quand même. Donc, alors, tu peux essayer celui-là. C'est celui que t'as eu cadeau en plus. Ouais. Et donc, ça va être... Voilà, attention, il est très fin. Et l'autre, ça va être pour mettre en dessous. Est-ce que tu aimes ce style? Oui. Oui. Il est clair, hein? Non, c'est bien. Mais c'est ce qu'il te faut. Je vais en profiter pour mettre ma base Péluise. Mais j'ai pas que ça comme base Péluise. J'ai aussi cette base-là que je trouve super. Franchement... Je la trouve au top. Par contre, le nom... Est-ce que c'est comme ça? Je la mets depuis un petit bout de temps, celle-ci. Pour les cut crease, c'est génial. Le tiens, je vais peut-être faire un cut crease aujourd'hui. Oh oui, que le cut crease. Ben, je vais t'apprendre ce que c'est le cut crease. Alors, cette base qu'on va mettre et tout, c'est pour que le maquillage soit un petit peu plus fort. Donc, je vais me prendre un pinceau assez gros. Si je fais pas tomber un pinceau dans une vidéo, c'est pas normal. Non, c'est vrai. Ah mais non, ça c'est un Magic Pour. Je l'ai pas mis, mais celui-là. Si vous cherchez quelque chose pour avoir un maquillage qui ne brille pas et les pores camouflés, prenez ça. Tu l'as déjà eu, je t'en ai donné. Ah oui, il est génial, ouais. Génial, voilà. C'est un petit peu l'équivalent de ça. Mais en un peu plus épais. Vous le mettez que sur la zone T. Franchement, c'est top. C'est un cheminée, hein. Mais je crois aussi... On va baisser un peu le feu. Alors, la pelouse, je mets deux petits trucs comme ça. Je galère toujours à faire les mêmes sourcils d'un côté que de l'autre. C'est toujours compliqué. Vive les tatouages. Oui. J'entends des petits... Oui. Des téléphones. Oui. Oh, qui est-ce donc? Serait-ce un chéri? Non, là, c'est un truc Facebook. Ah, notification. Voilà, moi j'ai mis ma base. Alors là, on ne respecte pas les gestes barrières, mais on les a respectés hier, même pour les cadeaux. Oui. Tiens, à ce stade-là, tu sais ce que je vais profiter de faire? Je vais te prendre, excuse-moi, de By Thierry, le soin des lèvres. D'ailleurs, je t'en ai offert un. Comme ça, tu vas pouvoir l'essayer. Ah, c'est mieux. Bon, j'ai un sourcil un peu plus haut que l'autre. J'ai l'air étonnée d'un côté. Qu'est-ce que ça sent, la rose? Je te le pose là. Pourquoi t'as pété? Mais quand on dit ça sent la rose, généralement. Donc, et celui-là, il se met en dessous. Juste, oui, c'est pour parfaire, pour donner, tu le mets doucement. Moi, je trouve, je sais pas, qu'ils sont un petit peu fins, les miens. C'est joli. L'avantage, quand même, c'est qu'on peut les faire comme on veut, ce sourcil. Oui. Moi, j'aime assez. Hein. Alors, si tu veux mettre soin des lèvres, c'est l'occasion ou jamais d'essayer ton cadeau. T'en mets juste sur une lèvre et tu sers, voilà, juste une, très peu. Tu sens la rose? By Thierry, elle met de la rose de partout. Mais j'adore ces produits. D'ailleurs, je l'ai en... Même le goût. Je l'essayerai la prochaine fois. C'est vrai que... Même le goût est bon. Ouais. Alors là, on a poudré et tout. Et donc, maintenant, on va faire le contouring parce que ça s'est estompé. Mais tu vois, on le voit encore, hein. On le devine. Ben oui. Alors... moi, ce que j'aime pour le teint, c'est Nabla. Nabla. Ouais. Alors, j'ai plusieurs pinceaux pour le contouring. Mais il y en a un comme ça aussi. Je vais te montrer pourquoi j'adore celui-ci. Parce que quand je fais le contouring, moi, j'aime que ce soit droit. Tu vois, je veux pas dépasser. Moi, c'est assez contouriné, là, non? Ah non. En fait, regarde, premier groupe. Tu démarres ici, en haut de l'oreille.
Ouais. Et tu fais en fait, donc je te conseille de prendre le même pinceau que moi. Ben, c'est... Non, c'est pas le même. En fait, tiens, je vais te donner, je vais récupérer le tien maintenant. Et vas-y. Geste barrière. Tu me prends le nabla? Ouais. Pas trop loin près de la bouche, tu vas un peu loin. Faut pas. Donc, tu bouges pas ton visage. Ça sert à rien. Ça sert à rien du tout. On est bon là? Ouais. Non, c'est pas mal. Tu peux encore contourer un petit peu. Contourons. Juste ici le plus fort. En fait, le plus foncé, c'est là, tu vois là. Ouais. Pour vraiment faire la démarcation et tu vas te creuser les joues, c'est pas mal comme tu fais. Alors là, tu peux mettre celui-ci au-dessus qui est un petit peu satiné, il est clair. J'ai jamais mis autant de choses. Ouais, mais je comprends. Donc ça, je refais pareil. Mais t'as besoin de quelqu'un qui tient les produits. Oui, la même. Pareil. Tu passes doucement, voilà. Là, par contre, je te conseille le pinceau là pour faire un petit peu plus, voilà. Bon, attends, je finis le... Je mets... Voilà, avec celui-ci, en fait, un voile, voilà. Il s'est cassé, là. Voilà, un peu plus chouïa. Ouais, mais tu vas comme un bourrin dessus, doucement. Ce sont des produits de maquillage de qualité, ce sont des produits... Oui, mais moi, je fais comme les femmes actives. Bon. Et maintenant, je te propose, donc... Comme là, tu en as un chez toi, un MAC. On a donc comme fard à joues. Regarde voir le MAC là au fond. Ah, alors ça, non, c'est pas celui-ci, c'est celui au fond là. Ça, je ne mets jamais. Le fard à joues? Ben, parce que j'ai une joue rouge. Alors, regarde ce petit rose, il est magnifique, il est un peu satiné. Ouais, il est très dur. Regarde celui-ci. Dans les orangés. J'ai le même dans la même gamme maintenant. Ceux-là ne sont pas trop pigmentés, tu vois. Ah, il y a un petit scotch là, tu peux peut-être l'ouvrir. Toi, tu as de bons yeux. Celui-ci, j'aime beaucoup. Hein. Celui-ci, il est un petit peu plus... clair. Et alors, celui-ci, il est très intense, mais j'aime beaucoup. Alors, ceux-là sont un petit peu irisés. Celui-ci est plutôt mat. Toi qui n'aimes pas trop, moi, je te conseille plutôt... ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, on va essayer celui-ci. D'accord. Alors, on va prendre... je vous passe devant. On va en prendre... Ça ne devient pas une habitude. Hein. Et je vais me faire disputer. Tiens, voilà. Je crois que je vais prendre celui-ci, moi. Bon. Toi, tu veux prendre lequel? Le plus rosé ou le plus... Ça, c'est un peu dans les brins. Bon, je te fais confiance. Ben non, je ne les connais pas. Donc ça se met... En haut. Oh là, regarde le satiné. Tu vois, il est un peu brun celui-ci, donc à la limite, peut-être plutôt un petit peu de rosé dessus. Je vous en fais un mélange dingue. Hein. Oh, celui-ci est très beau, regarde. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, tu le mets juste au-dessus. C'est ce que... T'as une peau magnifique. Et là maintenant, ma palette, la palette de tous les temps. Je vérifie mes dents, parce qu'au cas où, tu sais, j'ai un... Bon, ça va, on va pas manger un bout de salade. Mais... Too Faced, celle-là voulait depuis, je sais pas. J'ai peur de la faire tomber. C'est un joyau. Voilà, vous avez highlighter, vous en avez un qui est très très fin, vous en avez un peu plus pailleté. Et là, pour, par exemple, sous les yeux, je vais vous montrer ce petit bijou. Tu vois, pour illuminer cette teinte-là. Alors, toi, tu peux utiliser l'highlighter, celui-ci. Celui, à chaque fois, je dis, c'est celui qui m'a coûté un bras. Ça, c'est pour éclaircir. Et donc, moi, je vais prendre l'highlighter, là. Oui, très dur. Ils sont durs, hein. Alors là, tu n'as pas le bon pinceau, là. Ma chérie. Il est super. Oui. Donc un pinceau plus petit. Comme ça, oui, de ce style. Non. Non. Juste derrière. Oui, voilà. Là aussi, elle est. Oh là là, regarde. T'es plus dans le champ. Hein? T'es plus dans le champ. Ouais, mais regarde là, on voit. Même là, la caméra. Oh, tu vois le truc?
Et moi, j'en mets un peu, tu sais, sur le nez, le long. Oui, l'arête du... Oui, et un petit peu la pointe. Oh, pourquoi ? Je sais pas. Et là, comme c'est fait, je vais prendre le un petit peu plus pailleté. Mais juste là devant. Ce que j'aime, c'est que celui-là, il ne marque pas les imperfections. Oh là là, mon Dieu, je ne l'ai jamais vu. Je vais essayer celui-ci. Ça, c'est pour sous les yeux. Je veux celui qui brille. Ah bah vas-y. Tu peux même mettre le doigt si tu veux que ça soit un petit peu plus puissant. Moi, je trouve qu'avec quand on y va avec le doigt, comme ça, regarde, là, je passe. Moi, je trouve que ça marque un peu plus. Bah, oui, oui. Tu peux même le mettre, tu sais, là, regarde. En fait, avec un petit pinceau, tout à l'heure, on va le faire sous le sourcil quand c'est fait. J'ai mis le crayon déjà. Oui, mais c'est pas grave parce que le crayon, c'est vrai que ça brille. Hein. Mmh. On le voit bien. Hein. C'est pas mal, non? Alors moi, il y a une petite chose que je fais toujours pour un peu mélanger tout ça. Je vais prendre la palette, la MAC. Alors celle-ci, c'est ma palette de tout le temps. Je prends le très gros pinceau là que j'adore. Et je vais faire ça pour tout mélanger. En fait, voilà. Juste ça. Avant de mettre le fixateur. Le fixant. On n'a jamais remis que quand on a commencé la vidéo. Hein. Tu vois, ce pinceau-là, est super agréable. Celui-ci aussi, tu vas t'en servir, je crois. Hein. Moi, je fais gaffe aux sourcils de ne pas trop les passer. En principe, le fait de passer. Bon, ben, on est bon. Maintenant, on va pixeliser. Alors, fixateur, j'en ai un duo, tu vois, c'est avec un glow. Comme une vinaigrette. Alors là, c'est pour avoir un léger glow, d'accord? Après, tu as... La gamme des trois là. Ouais, il y en a trois. Donc là, regarde dessus. Alors, un, il est. Pore. Pour les pores. Ça, c'est donc pour cacher. Glow, briller, hydrater. Hydratant. Donc, moi, à mon âge, bah, hydrater. Et toi, tu veux quoi pour les pores? Pour cacher les pores. Donc, on le scoop bien sûr. Et puis, on y va. Ça veut pas. Ah si, ça y est. Ah, ça fait du bien. Il y a une odeur de concombre, le mien. Ah bah oui, hydratant. Ah bah oui. Oui, il a une odeur d'alcool à brûler pour les porcs. Non, je rigole, c'est pas vrai. On est tenu là et on a une petite découverte. Je vais te passer quelque chose, tu vas être contente. Alors, je vous promets, on ne les connaît pas. Voilà la première. Je vous avais dit dans une précédente, on va les ouvrir ensemble, dans une précédente vidéo, je voulais savoir un peu qu'est-ce que vaut ces box là en fait. C'est des box que tu peux commander. Ah, des la box... Beautiful Box. Oui, ouais. Ce sont les box qu'on peut recevoir. Donc, elles sont, moi je les ai au prix de 20 euros je crois, en promotion. 495 francs. Voilà, donc j'ai pris les 5 box. Qui m'a coûté la modique somme de 100 euros. Et dans 60 francs presque. Elle compte en francs. Vous vous rendez compte? Elle a 30 ans, elle compte en francs. Alors viens, donne-moi, va. On va donc ouvrir au fur et à mesure. Alors ta première box. Celle-ci. Mais elle est superbe en plus, regarde. Il y a... Montre-voix. Non mais elle s'ouvre, donc vous pouvez la garder pour... Oui mais là on ne voit pas, on ne voit pas la box. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, dis-moi, c'est quoi? Nous avons produit scrub. Ah, bah c'est pour un gommage au chanvre et au chocolat. Pour le corps? Alors, le chanvre, c'est super. Ah oui, elle va vous parler de produits tout à l'heure. Oui, c'est la découverte. Non, mais elle était pour moi, celle-là. Un baume hydratant au chanvre médicinal. Non, non, mais c'est pas... Qu'est-ce qu'il y a encore? Translucide pour une poudre transparente, un mascara au cannabis, Cannabis. Et puis, ah ouais, non, mais c'est pas mal. Un gant de crin et un masque au cannabis. Et le gant, enfin au chanvre, parce que tout de suite il y a les gens qui disent oh, cannabis, c'est de la drogue, c'est pas légal. C'est du chanvre, c'est légal. Hein. Et le gant, mais c'est super ça. Ouais. Bah, belle découverte hein, pour celle-ci. Ouais. Franchement, si vous voulez vous faire plaisir à pas très cher. C'est la Green Addict. T'en penses quoi, 20 euros?
Ah oui, non, ça va, parce que ça, ça coûte cher les produits. Il y a quand même pas mal. Donc ça, on va remettre dedans. Oui. J'ai l'impression qu'elle va déjà m'embarquer celle-ci. Je sais pas pourquoi. Je le sens. Rappelle-moi comment tu as eu le cadeau hier. Non, on va pas te dire. On va éviter de bien cacher. Ah, moi, la... Oui, c'est un incordial. Alors, moi, j'ouvre la mienne. Alors, celle-ci, c'est la Au Féminin. Beautiful. Oh, j'en ai ça. Ça sert à quoi? C'est pour faire les massages. Enfin, nettoyer, faire un petit... Tu mets le produit là-dedans? Voilà, et ça ressort par là. Ça, j'adore. Alors, un conseil, faites-le dans votre baignoire, parce que ça coule le long du bras. C'est pas très agréable. Et il y a une astuce. Il y a une fille, tu sais ce qu'elle met? Des chouchous. Ah bah oui. C'est sa nana qui fait ça. Elle met les chouchous des poignets. Et là, j'ai donc eau démaquillante micellaire. Et ça, c'est quoi? Ça doit être pour que ça sorte. Ah, hein. Eau démaquillante micellaire. Nous avons aussi Velvet, c'est quoi ça? Fluide solaire 30. Ah, ça, c'est super. En plus, ça sera pour le visage et un truc très très bien. Là, nous avons Dirty Secret. Donc, c'est un baume pour les lèvres. Mmh. Très très bien aussi. Mmh. J'ai mousse nettoyante exfoliante. Oh, j'ai oublié d'en acheter en plus. Et là, j'ai du papier matifiant. Ah oui. Dans la journée, quand vous... Les anglaces. Machin, ouais. Super. Eh ben, cette deuxième box là. Franchement, ça vaut le coup. Mais elles sont cohérentes, les box là, tu vois, c'est pour l'été. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ah oui, matifiante en plus. Super, pour 20 euros, écoutez, lâchez-vous. Hein. Alors, à toi, la prochaine. Le panda. Alors, attends, il n'y a pas un nom. Réveillez votre instinct kawaii. Kawaii? Rappelle-moi la définition de kawaii. Quoi, pour Pierre Palmade. Alors, nous avons... Oh, un petit panda. Oh, ouais. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un baume à lèvres, voilà, un rouge à lèvres. Oh, qu'il est tout joli. Ça sent la fraise. Petit, petit panda. Petit panda, le petit panda. Un masque cheveux nus à la pivoine et au lotus bleu. C'est pourquoi ça? Aux cheveux? Ben oui, masque cheveux, ouais. Oh. Une petite palette pour les yeux, je suppose. Hein. Des nudes. Ouais. Très bien, en fait, c'est les trois têtes qu'il faut. Il manque un... Non, il manque un brillant, mais bon. Le nude mat. Mais c'est bien. On dirait que c'est de la crème. Ah non, c'est peut-être... Les glosses. Parfait. Une petite... Ah, un petit pinceau. Moitié... Oh ouais, non, mais moitié... perso, moi, je me sers pas trop des pinceaux comme ça. Ah. Et toi? Oui. Si. Ben oui. Ah ouais, mais en fait, c'est parce que j'avais... Et ça... It's time to detox. Detox, c'est un... C'est du charbon. Ah. Ça doit être un truc de détox, le charbon. Ben, c'est écrit derrière. Oui, un masque peel-off au charbon noir de panda. Wow. Ça c'est pour... J'espère qu'il n'a pas souffert. Ça c'est avaler l'éponge là. Ah, l'éponge exfoliante. Non? Non, ah si, de l'autre côté, oui. Ah bah ça ressemble à la petite brosse de tout à l'heure. D'accord. Mais sous une autre forme. Bah écoute, voilà. Et puis c'est tout. Alors t'en penses quoi de celle-ci? C'est mignon. Tiens, remets dedans. C'est mignon. C'est tout mimi. On va les faire gagner ces box. À moi, j'ai la beauté. Hop là, elle est tombée. Filter. Alors, filter, ça veut dire encore dans filtre. Le. Oh, du rose et des paillettes. J'ai l'impression. Donc, il y a toujours les petits. Je crois que ma fille a craqué sur une des box. Non, c'est les couleurs. Oh, c'est fait un body. Oh, pour le body. J'ai du body. Pour le corps. Pour le body. Et puis en fait, c'est joli en plus. Hein. Ouais. Là, nous avons. Tu peux jouer. Vas-y. Ah, c'est la pierre. C'est une pierre, la pierre rose. C'est pour les soins. C'est la pierre pour les soins. Ah ouais. Mm-hmm. Tu connais pas? Non. Oh, elle était jolie. Oui. C'est une vraie pierre donc à passer sur le visage. C'est pour les cernes? Voilà, lorsque tu fais les soins. Oui. Jelly Highlighter. Alors ça, c'est un highlighter. Oh! Très joli. Mmh. Pour l'été. Bah, je crois que celle-ci, je vais te l'offrir. Ouais. Cette box. Ouais. Non? Ouais. Parce que je crois que tu as craqué dessus. Bah, moi, c'est l'autre au cannabis. Enfin, au chanvre que j'aime bien aussi. Oh, ben bah, ça va t'en faire deux, alors.
Ou alors elle va prendre un peu de produit dans chaque. Oui. Je crois que elle va se créer sa propre. Qu'est-ce que c'est ça? Benefit. Pore. Ah, c'est bien. Pour les pores primer. Ça c'est bien, je vais l'essayer. Je n'ai pas la Benefit puisque moi j'ai. Ah oui, Benefit. Et Jelly Toner. Du rose à la rose. C'est un démaquillant. Vas-y voir si ça sent. Oh, il a l'air super. Ça sent pas la rose. Ah, il y a peut-être un. C'est normal, ça sent pas la rose. Oh, bah, il y a déjà ça qui sent vachement la rose. T'aimes bien les produits qui sentent la rose? Viens voir. J'aime bien. Oh là là, oui. Bon, écoute, les box, moi je suis agréablement surprise. Je pensais vraiment que ça valait pas le coup. Et puis alors, comme cadeau, est-ce que c'est plaisant de se voir, hein? Voilà, mais tu vois, j'ai pris les seules qu'il y avait. Et toi, la dernière, c'est laquelle? Rendez-vous sous les cocotiers. Ça, c'est vacances. Oui, là, ça, on dirait le sud. On va y avoir droit à tout. Alors, qu'est-ce que donc? Oh, un petit bracelet! Monsieur, tu es. Mais oui, c'est pour aller à la plage. J'aime bien, ouais. Alors, faut pas avoir des gros poignets. Oui, hein, parce que là, c'est vrai que ça doit se régler. Ouais, il est super joli. Là, nous avons Sauce Suzanne, Sun Langue. Elle parle anglais. Poudre glowy bronzante. Ah, ouais. Mais ça, c'est pour l'été. Bah oui, pour l'été. Un gloss aux fruits rouges. Ah ouais, vas-y, ouvre. Moi qui ai tout le temps les lèvres. Tu vois, là, c'est Noël, t'offres ça à quelqu'un. À une jeune fille ou. Vive le suremballage, hein, par contre. Ouais, il y en a beaucoup qui font ça. Les jusqu'à là, non, il n'y avait pas. Mais non, mais vu que c'est plusieurs marques regroupées, ils prennent, tu vois, que si c'était un autre truc, là, il pourrait se passer de faire trop d'emballage. Oui, c'est là, vrai. Non. Ouais, pour pas qu'il y ait de. Bah, tu sais que tu peux t'en servir là tout à l'heure pour finir le maquillage. Ça se mangerait, ça. C'est à quoi? Mais à la fraise. Non, mais ça, il faut fraise, pas. Fraise, framboise, cerise. Ça, c'est dangereux. Et ça sent sur la bouche. Oui, mais en fait, c'est pas pour manger. Un masque. Cocoa. Masque hydratant noix de coco. Toi aussi, ça se mange. Hein. Non, je vais éviter de lui donner ça. Masque hydratant. Voilà. Botanical. C'est une très bonne marque aussi. Botanical, j'aime beaucoup. Et un crayon Sunset Bronze, crayon pour les yeux. Marron foncé. Oui, sourcils aussi. Oui, bah, du coup, vous faites ce que vous voulez. On n'est pas des moutons. Hein. On fait ce qu'on veut avec ce qu'on a. Hein. Ouais. Ou même pour le tour des. Vous voyez, elle était très calme au début. Hein. Restez, surtout ne partez pas. Ça y est, elle prend la confiance. Oui. Crème pour le visage, booster d'éclat. Aux oignons? Ah non, non, mais parce qu'on aurait dit un oignon. Une crème aux noix oignons. Noix de coco et grenade. La pétard, faudrait leur apprendre à dessiner une grenade. Non, mais c'est vrai, regarde. On dirait un petit oignon. Non, là, c'est vrai, j'avoue que. Mais c'était peut-être difficile. Le pack. Mais sur le bras, ou les lèvres. On aurait dit gommante parce qu'on voit ça, oui. Mais en fait, quand il n'y a pas dedans. Moi, je pensais que c'était une crème gommante parce qu'il y a des tout petits points là-dedans, mais non, en fait, quand j'ai envie d'aller à la plage. Tu vois, c'est ça. Bon, alors, comme cadeau pour un anniversaire, non, quoi, pour une jeune fille, je veux dire, c'est qu'elle n'ait jamais eu de maquillage ou quoi. Bon, alors là, on a les 5 box. J'en reprendrai encore et je vous les ferai connaître. Alors là, maintenant, tu vas choisir. Ta fameuse palette. J'en ai pas pris beaucoup. J'ai donc. Ah ouais, je me suis assez peur. J'ai tiré un bouton sur mon Alors, les fameuses que vous connaissez, voilà la Carnival. Donc, qui est complète. Ça, ce sont les dernières que je vous ai montrées. Et là, j'ai des dupes. Celle-ci est superbe. Les teintes là sont superbes. Enfin, attention, c'est très poudreux quand même. Hein. Mm-hmm. Ouais. Alors là, j'ai la color, c'est un dur. Oh, celle-là. Tu veux celle-ci, toi? Mais pour faire vert, jaune, rouge. Alors, vas-y. Toi, tu as déjà trouvé. Mais sinon, tu as celle-ci aussi, la pastel. Oui, non. C'est pour fondre les couleurs, si tu veux. Parce que... bah, si besoin. Parce qu'elle est beaucoup plus... Oui, c'est les couleurs intermédiaires, genre, c'est ça. Oh, bien, de transition. Et moi, j'ai celle-ci. Et je vais me servir, je crois, de celle-ci. Je vais faire quelque chose d'assez nude. Mmh. Non, non, non. C'est du nude. Comme ça.
pourquoi je chuchote? Parce que c'est du nude. Je vais prendre celle-ci parce qu'il y a un... argent. Je... je vais faire, tu sais quoi, un maquillage de... Un maquillage pas... Alors, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que quand vous avez un défaut, ne le dites jamais, ni à la caméra, ni à quelqu'un en face, parce que la personne va fixer justement ce défaut. Et même si elle ne le voyait pas au début, c'est là qu'elle le verra. Moi, regardez, je n'ai aucun défaut. Moi, j'en ai plein, mais je m'en fous. Alors, j'ai un souci avec ma cheminée. Non, mais sérieux. Oh, moi, ce que je vais faire quand même... Non, c'est une autre, regarde. Je vais prendre cette petite couleur-là. Qui est dans les rouges, hein. Un marron rouge. Moi, je vais faire... dans le creux paupières. Je vais faire du vert, du jaune et du rouge, là. Ah, toi, t'as bien tout dit. Ah, mais je te laisse. Toi, tu fais comme tu veux. Je fais mon maquillage que j'adore. Ah, que je maîtrise, du coup. Non, bah, tant qu'à faire, oui. Hein. Par contre, je me rappelle plus. Ah, si, ça va. Je me rappelle de par quoi je commençais. De toute façon, en plus, on a le temps. Alors moi, le tort que j'ai des fois, c'est quand je fais ça, j'arrive jamais à être à la même hauteur. Ah, c'est sûr qu'on va pas beaucoup parler. Hein. Mais tu pourrais nous chanter une chanson. Mais non, ça me fait bouger les yeux. Alors ce que je fais, moi, c'est que j'arrête souvent et je regarde de loin. Là, je regarde dans le retour pour voir si... Mais en fait, je vois pas bien dans le retour parce que déjà, je vois pas. Je vais foncer un petit peu avec... Non, en fait, non, c'est à plus foncé. Ouais, je regrette un peu. Ouais, j'aurais peut-être pas dû prendre celle-ci. Bon, ça fait rien, j'ai choisi. La change. Bah, il y a un marron. Non, bah, justement, je me dis, écoute, je me suis trompée, hein. C'est tant pis pour moi. Voilà, c'est fini. Cool. Donc, pour estomper, ils sont là. Les estompeurs, oui. Il faut que tu le sentes bien, en fait. Il ne faut pas qu'il soit trop... En fait, il faut qu'il agisse sur le fard. Parce que tu en as estompeur, comme celui-là, par exemple, tu vois, qui est beaucoup trop fluffy, oui. Comme on dit. Fluffy. Bah, les termes, je suis obligée d'employer les termes que les influenceuses emploient. Parce qu'en fait, elles ont trouvé les bons termes tout de suite, quoi. C'est fluffy, quoi. Oui. Fluffy. Alors, J'ai fait une vidéo avant-hier, mais je l'ai effacée parce qu'en fait, quand j'ai fait une mauvaise manip. Et c'est dommage parce que c'était celle avec le calendrier de la vente d'Encombe. Il y a des produits dedans. Je vous les montrerai à l'occasion. Bon, bah, le calendrier, je ne l'ai plus, j'ai fait. Hein. J'ai caché les produits parce qu'elle est là. C'est ma fille. Si vous allez chez elle, pour bien des choses, c'est un peu comme si vous étiez chez moi. Vous trouvez les mêmes produits. Non? Oui. Ah, t'étais pas folle de maquillage, toi, avant. Non, bah, je suis pas folle de maquillage, mais de temps en temps, allez. Et depuis que je fais ça, ça ne t'a pas un peu plus? Si, c'est vrai. Vous voyez l'influence qu'on peut avoir sur les enfants. Faites très attention si vous avez des enfants en bas âge. Une maman a une influence dingue sur... Même sur à 34 ans. Ouais, 30 ans. Non, allez, on leur dit j'ai 24 ans. Et j'ai morflé. Moi, j'en ai 32. Je m'en morflé aussi. Quel âge? 32, ouais. Oh, je l'ai eu, j'avais 6 ans et demi. Précoce à la fin. Oh, rigole pas. Alléluia. Ça y est, j'ai dans la tête. Oh, toi, carrément, c'est un maquillage d'été que tu vas faire. Ah oui. On aime comme ça. Avec l'accent? Ah oui. Ah ouais, l'accent de la cagole. Oh, c'est joli! Ah ouais, ouais. Mais c'est pas fini. Ah bah non. Heureusement. Non, heureusement, comme ça. Pas heureusement parce que c'est moche. C'est pas vrai. Non, non. Oh, je m'enterre, je.
Alors moi, je suis dans les rouges et les marrons. Mais j'ai remarqué qu'en ce moment, je suis énormément dans les rouges et les marrons. C'est fou, j'arrive pas à me sortir de ça. Écoute, avant, je faisais des beaucoup plus, tu vois, travaillées. Là, j'arrive plus trop. Donc, il faut se servir de plein de pinceaux, en fait. Hein. Ouais, à peu près, moi, j'en ai jusqu'à 18 pour un make-up. Là, je vais prendre un camel. Alors, c'est pas bon de fumer, hein, avec modération. Ah oui, non. Je fume pas, je ne fume plus depuis 8 ans. Alors. Je ne fume plus, je ne bois plus. J'ai eu fumé, j'ai eu bu. C'est très mauvais pour la santé. Et puis, enfin, non, moi, ça me. Je ne supportais pas. Ben moi, je suis malade, je vomis, j'ai mal à la tête, donc les beaux effets. Ouais, ouais. Donc, même Noël. Si, on a essayé le Dartini. Ah oui. Mais. Du coup, on fait la pub pour Dartini aussi maintenant. Ouais, mais franchement, c'est bon, hein. Ouais. Ah oui. Jamais j'aurais acheté ça. Moi, je suis livrée régulièrement de la Darty Box. Enfin, dire régulièrement tous les mois. Je prends la Darty Box. Et tu sais pourquoi je la prends, la Darty Box? J'ai l'impression que quelqu'un m'envoie un cadeau. Ouais. Tous les mois. J'aime beaucoup, hein. C'est 15,90€. Sérieux, c'est super. Donc, je reçois ma box chaque mois. Alors, si un produit est cassé ou quoi, ils vous l'échangent ou carrément, ils vous envoient une autre box. Donc, pour ça, ils sont corrects. Je vais prendre ce noir scintillant. Pour le mettre, c'est vrai que vous ne voyez pas trop là. Je devrais peut-être ramener. En fait, j'ai mon miroir avec un petit bitonio comme ça. Et je le mets dessus, mais sur un autre miroir. Mais le souci, c'est que là, j'ai pas un poids suffisamment lourd. Et je vais trouver, regarde. Oui, elle a failli. Je l'ai senti glisser. Mais tu sais que je sais pas comment je fais quand tu es pas là. Moi, quand ma fille n'est pas là, j'ai vu. Alors j'ai un fils aussi, mais bon, je pense pas que ça l'intéresserait. Bah ouais, parce que enfin, ça dépend de quel bourg il est. Bah non, on le sait. Bon, bah oui. Ben ça, c'est. Ah non, voilà. C'est pas en plein doute, hein. Non, non. Mais tu pourrais avoir un fils qui ne serait pas de non, même il a plutôt tendance à être un peu macho, même, j'avoue. Le côté sicilien. Alors j'ai pris un petit truc avec la brosse, regardez. Ça c'est un truc, c'est génial. Parce que là j'ai un pinceau que j'aime beaucoup donc et je vais le frotter. Et pourtant j'ai utilisé un noir brillant. Je le frotte sur cette petite éponge là. Il est nickel, je peux changer de couleur sans changer de pinceau. Je vais prendre ce bleu là. On va faire vraiment un maquillage avec des couleurs hein, cette fois. Et donc je le place à côté et je fonds bien sûr les deux teintes ensemble pour pas que ça fasse une espèce de barre de couleur. Quoi. Regarde, je trouve ça génial pour, tu sais, quand tu as un pinceau vraiment que tu aimes beaucoup, beaucoup. Et là, j'ai un gris argent. C'est celui-ci que je voulais prendre. Je vais le mettre sur tout le reste de la paupière. Je vais même descendre. Il fallait prendre un verre. En plus, ça fait encore maquillage de fête. Hein. Mmh. Parce qu'on n'a pas fini de fêter, on a encore un bon repas qui va venir là tout à l'heure. Regarde voir les couleurs, tu trouves comment ça? Oh, c'est joli. Et toi, oh, en bas aussi, super. Bah oui. Oh, quelle bonne idée. Oh, voilà une idée qu'elle est bonne. Mais je pensais pas que tu allais carrément. Ah non, celui-là, oui, c'est mon. Je l'aime bien ce maquillage. Oh, mais ça, mais alors, il est. Maquillage d'été. Il est plus marqué que avec mes fards à paupières à moi. Par contre, je te. Pour dégrader, regarde. Pour dégrader, c'est vraiment pastel. Je pense que c'est pas mal. Mais alors, t'as du boulot là. Hein. Si. Ah oui, bah là. Alors, attends. Et donc, tu utilises tous les pinceaux que tu veux, hein. Tu peux en prendre, tu vois, c'était pour ça. Mais je vais copier un peu sur elle. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la couleur en dessous. Je le fais jamais.
Mais là, tu m'as donné une bonne idée. Là, c'est l'inverse d'en haut, par contre, qu'il faut faire. Oh. Regarde-moi. Bon, non, moi je vais suivre. Ouais. Non, mais c'est super joli, hein, franchement. J'ai du mal à sortir. Là, acidulé. T'as remarqué? Oui. Je sais pas. J'ai fait un blocage. Est-ce que t'as vu le vent qu'il y a dehors? Le temps qui fait? C'est le nord. Oh là là. On est dans le sud de nous, hein, mais depuis hier en fait. Hein, on avait 20 degrés jusqu'à encore 2 jours, je crois. Et ça nous est tombé dessus d'un coup. Là, je ne sais pas combien il fait dehors. Il fait froid. Non, j'aime pas. Les pastels. Ah, ça casse un peu. Oui, ça, là c'est... Voilà, il y a tout à refaire dans chaque gamme. Alors là, c'est des nouveaux pinceaux. Tu as une gamme comme ça pour Noël. Ces pinceaux-là, pour faire des bascules ou des choses, ils sont super parce qu'ils sont fins et ils sont pressés. Là, ce que je fais, c'est du coup, je prends des petits et puis j'allonge avec un grand. Voilà. Ah, t'as trouvé le truc. Monsieur, bien. Écoutez, moi, je suis très contente. Et ce que je vais faire, c'est que je vais dégrader le tout avec ce petit rose-là. Je le trouve joli comme tout, rose très pastel. Et je me dis que ça va me faire une petite teinte en plus. En fait, je suis en train de faire un peu de copiage avec ma fille parce qu'elle est dans les couleurs. Du coup, j'ai pas envie de rester moi en neutre. Une recopiteuse. Enfin, j'ai quand même pas la même technique et la même couleur de base. Bah, de toute façon, la teinte que toi t'as fait, moi, je crois que ça convient plus à une jeune. Hein. Mmh. Bah, moi, j'ai fini avec mon travail de phare. Oula, même. Je suis en train de le monter. Waouh! Pour ouvrir. Mais c'est ça, c'est pour ouvrir. Et tu sais quoi? J'ai envie de mettre quelques paillettes. Mmh. Et donc là, j'ai tout un assortiment, dont de l'argenté. Tu sais, si j'ai à choisir entre l'argent et l'or, d'ailleurs, je me suis commandé des petits anneaux. J'ai 4 trous là. En fait, j'en ai beaucoup plus. J'en ai 11 en tout. J'ai beaucoup de piercings, mais j'ai laissé reboucher dans le cartilage. Parce qu'en fait, j'ai pas eu la patience d'attendre. Je pouvais pas dormir. C'est une horreur. Dans le cartilage, ça met un temps fou à cicatriser. Donc, j'ai pas voulu. Alors, ces paillettes là. On en dit quoi? Ah ben on en dit juste que c'est magnifique. Magnifique. Oh. En plus, il y en a certaines qui sont presque incolores et donc que tu peux mettre sur ton maquillage. En fait, c'est des top coats, tu sais. Et le fait de mettre ça, ça va mettre en valeur la teinte qu'il y a en dessous. Tout en préservant la couleur. Et c'est ça qui est important. C'est ce qu'on veut aussi, non dans... C'est ça qu'on veut. Alors là, je vais chercher un petit... Regarde la teinte là, vert. Ah, c'est joli. Et je cherche... Alors, j'ai un noir. Je cherche un violet. Oui, il est joli. Alors, si je le retrouve, parce que ça fait longtemps que je les ai... Où je les ai pris, je vais vous le mettre dans la barre d'infos. Ceci, oh, nouveau. Alors, j'en profite même les paillettes pour les fondre. Je crois que je vais m'aider d'un pinceau parce que là, oula, il fallait. Et j'ai commandé un miroir. Avec, avec des lampes autour, des ampoules. Le problème, moi, c'est qu'il me faut des miroirs qui grossissent. Eh oui. Bon. Ça a l'air de commencer à être bon. Là, il faudra avec le mascara bien noir parce que sinon... Tu fais eyeliner aussi, non? Je sais pas faire. Oh bah tu vas essayer. Je fais avec de la poudre en général. D'accord. Ah ouais, non, parce que si je mets, je me rate, j'ouvre trop vite. Et c'est... Oh non. Ah, c'est ce que tu as peur. Il y a tout qui va abîmer.
Il faudra tout recommencer. Et pourquoi pas un crayon? Oui, ou crayon, voilà. Alors, il y a des crayons. Là, tu as fini ton travail de phare? Je pense. Le paillette. On va mettre. Alors, les paillettes, bah, viens, on va enlever ton truc. Là, je vais les poser là. Alors, il m'a pas fallu beaucoup de pinceaux. Moi, il m'en a fallu 7. Donc, kiff-kiff, hein? Ouais, grosso modo. Voilà, on va enlever. Parce... Elle est très poudreuse, hein, ta... J'aime bien, ouais. Tata, d'ailleurs. Donc là, tu as, voilà, le choix. Des paillettes. Ah, c'est pour les yeux, ça? Oui, c'est que pour les yeux, ça. Donc là, tu regardes. On dirait des gloss. Ok, c'est des top coats, en fait. Tu les mets et ça va juste... Alors tu le poses et avec un. Tu peux faire un eyeliner avec ça? Bien sûr. On va essayer avec ça. Moi par contre, je vais plutôt prendre les liners là. Alors déjà, je vais mettre une teinte beige. Ah, j'ai commandé des crayons Colourpop. La tablette, je sais pas si je vous l'avais dit. Voilà, donc ça c'est de quelle marque? Chiglam. J'aime beaucoup celui-là. J'aime beaucoup, c'est un beige. Pour la muqueuse, parce que la muqueuse est toujours un peu rouge. Voire rose. J'avais jamais vu remarquer un truc. Dans une lampe grossissante, un miroir grossissant, quand vous regardez du côté, ça vous froisse tout. Oh, regarde, t'as des liners là, qui sont très argent ou si tu veux accentuer. Et moi, je vais prendre un liner noir. Et j'aurais voulu essayer un autre, mais est-ce que j'en ai eu un autre? Oui. J'étais plus sûre. Alors, celui-ci, je l'ai eu de Nocibé. Ah, ben si, je l'avais pris déjà, mince, non. Je l'ai essayé aussi en bien, Nocibé. Oui, non, ben, je vais prendre une équipe qui gagne. Ça, c'est... Tu vois, et là, il faut du noir parce que ça fait effet œil qui tombe. Ah, ben là, tu as des crayons noirs, tu as des... Tu vois, là, j'ai... Voilà, voilà, voilà. Voilà. Ah, faut laisser sécher. Eh oui, mais j'ai pas l'habitude. T'as un coton-tige? Ah, il faut que t'ailles le chercher. Non, bah, attends, je vais me débrouiller avec ça. Ouais. Tiens, prends, tu le mets comme ça. C'est exigeant. Et oui, en fait, moi j'ai la paupière, l'œil creux. Toi, tu as l'œil bombé. Ouais. Oh, bombé. Là, j'ai un pote qui s'est bombé. Regarde, là, t'as un liner avec déjà le truc. Et ben, t'en as eu un dans ton coffret. Oui, 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 oui. Ça va peut-être te servir. Ben oui, sûrement. Alors, moi, en fait, quand je fais comme ça, moi, le liner. Le pinceau rouge pour reprendre là où ça brille. Pour cacher un peu. Après, c'est pas moche. Hein. J'ai un petit ventilo là si tu veux. Sur le 4. Ouais. C'est bon, c'est sec. On est sec, on est sec. Le petit truc que tu m'as montré tout à l'heure, c'est ce que tu as dans la main. Non. Il y en a deux. Ah oui, oui. Il y en a un second là. Là. Ok. Le côté argent, c'est le petit bitonio voilà, pour faire. Il faut juste se le mettre. Le mettre vient se le mettre. Non, c'est pas le terme. Commence à faire comme ce que je déteste. Oui, c'est une catastrophe. Pas chercher. Ouais, les aligneurs. Sinon, regarde, t'as des crayons noirs. On va trop faire, j'ai commencé. Alors moi, c'est pour mettre de la muqueuse en haut. Parce que moi, en fait, compte, j'ai très peu de cils. Ah d'ailleurs, il me semble que t'as reçu un booster de cils, hein, pour... Oui. Pour la pousse. Alors ce qu'il faudra que tu fasses, c'est que tu me dises si ça marche bien.
Ah, l'occasion. C'est une catastrophe. Non. Moi, l'eyeliner, je déteste ça. Oh, à la caméra, joli. On dirait, mais en vrai, c'est moche. Tu veux que je tente le coup de te faire un... Mais ce qu'il y a, c'est que tu montes pas assez haut, regarde. Moi, le liner, je monte haut pour que ça fasse ton œil vers le haut. Toi, tu oses pas en mettre le crayon, alors. C'est ça. En fait, ce qu'il faut, c'est que tu démarres un peu plus haut que ce que toi, tu fais. Si tu veux que l'impression... Voilà, c'est au-dessus, hein, voilà. Et là, tu vas redescendre. Attends. Droit. Tu veux que je te le fasse, oui. Ton essai? Je vais le faire avec le liner, moi. Non, regarde, montrer. En fait, normalement, moi, le liner, ça me, du coup, ça. Regarde. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois le fait qu'il soit un peu plus haut? Mm-hmm. En fait, il faut pas que tu hésites. Voilà, tu peux laisser un peu ouvert. Voilà. À le monter plus haut et à le redescendre là, direct, tu vois? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ouais. Est-ce que ça te plaît ou pas? Là, ça me plaît, mais essaye de faire le deuxième, tu verras que eh ben, ça fait un... Enfin, sur mes yeux. Vaut mieux pas que tu parles. Mmh. T'aimes ou pas? C'est pas fini, hein? Non, mais j'ai un œil plus haut que l'autre. Hein. Mais ça, c'est pas ta faute, c'est moi. Merci. Bah, tu m'as conçu, donc c'est un peu ta faute. Ça faisait longtemps. Mais le reste est pas mal. Ah, c'est mieux. Mais. Ah, il faut que tu vois, tu continues celui-là un peu plus vers le. D'accord, le point on parle de l'œil. Et toi, tu vas dans le coin. Dans le coin. Oui, oui. Tout fin. Tiens ton œil, peut-être, pour le faire. Alors, c'est vrai que le liner, beaucoup vous disent oui, il ne faut pas tenir. Moi, je le tiens. Si vous ne tirez pas comme une folle, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Hein. Alors, je vais essayer, on va essayer chacun un, d'accord? Mmh. Celui que tu as reçu, toi, dans ta box, c'est lequel? Tu te rappelles ou pas? Non. Bon, tu vas essayer le Monsieur Big, je crois que c'est Laura Mercier que tu as reçu. Donc, elles sont un peu twistées, les brosses, tu vois, regarde. Ça me va pas du tout. Non, ça va. Moi, je trouve que... Je vais mettre du mascara, ça va sauver les meubles. Peut-être, regarde comment elle est twistée. Oh oui. Ouais. Donc là, tu en as deux choisis. Caviar, ça donne faim. On va éviter, mais je vais manger. Je peux se mettre là. Ce qu'il y a, c'est que t'es pas habitué non plus à avoir du liner, ouais. Mais si tu veux, tu peux l'estomper. Tu peux rajouter de la couleur dessus avec les liners. Ça choquera moins. Ouais. C'est-à-dire que sur liner noir, tu peux mettre des liners pâtes. Là. Alors, ces liners-là, je les adore parce que, mettons voir, vous avez un maquillage que vous trouvez un petit peu raté. Ce que vous pouvez faire, c'est les mettre sur vos liners noirs, ces couleurs-là. Ah, tu vois, avec le mascara déjà. C'est mieux. Ouais. Mais si tu veux tricher un petit peu là, pour atténuer, donc tu vas mettre, et donc c'est super, vous avez les crayons aussi argent. Celui-ci est génial parce que ce crayon-là, moi je trouve qu'il fait bien, mais ces liners-là, c'est le top. Et donc, c'est réellement la couleur que vous voyez là. Or, la marque, je ne me souviens plus trop, parce que c'est très longtemps. Très, très longtemps que je mets. Long Uir. C'est Eyeliner. Eyeliner, non, Eyeliner, c'est la marque. Ouais, écoutez, si je retrouve, je vous mettrai. Et donc, moi, j'en suis rendue aux lèvres. Et pour les lèvres, j'ai envie de faire un truc, moi, qui flèche un peu. Ouais, ça va, tiens. Donc là, t'as le choix.
C'est dommage, il n'y a pas de rose. Mais ça fait rien, tu peux aller avec du doré ou quelle teinte t'as pris? Ah, du vert. Ouais. Donc, pour camoufler un peu, tu fais juste au-dessus, oui. Sur la hauteur du liner. Est-ce que ça le fait? Ça a l'air. Ah bah, tu vois. Ah, j'ai vu. Vous savez, mon amour pour les encres. Allez, ouais. Intense, les... ça c'est Maybelline, le rose, je l'adore. Vous entendez le vent qui adore, c'est parce qu'il y a tempête. Fait magnifiquement beau, hein, ciel très bleu. Pourquoi tu chuchotes? J'ai l'impression d'être dans une église. C'est une vieille maison, il y a tout qui grince. T'as entendu la porte? C'est un esprit. On dirait qu'il y a une petite brosse dessus. C'est Michael Jackson qui va nous inviter. Toi, t'es une fan. Mmh. Andy, tu étais ou tu es toujours? Je suis toujours, mais j'achète plus rien parce que c'est pas lui qui touche les sous. Sauf s'il n'est pas mort. Alors dans ce cas-là, ça serait une autre théorie. Mais on n'est pas là pour ça. Non, après, je vous... Je ne me pose même pas la question de savoir si c'est vrai ou pas. Ah ben, moi aussi, le... Ah, on est rendu aux lèvres. Ben, moi, il me faut le moins de trucs nude. Hein, parce que là, je ne peux pas mélanger. Hein. Ah, là, tu as des nudes. Ça, c'est ceux que tu as reçus, si tu veux les essayer. C'est, je crois que ceux que tu as eu. Plus, avec le maquillage, là, plus... Moi, j'aime beaucoup. Mais tu vois, avec tout ce qu'on a mis, on peut pas dire que ça fasse beaucoup, beaucoup. Je trouve que le rendu est plutôt pas mal. Il sent bon, mais... Ah oui, et la texture, ça a le goût du caramel. Je trouve qu'ils sont superbes, ils sont sublimes. Ben voilà, je crois qu'on a fini, là. Bon, je vais peut-être prendre un petit truc, on va faire un petit truc en plus. Puisque c'est quand même un maquillage de fête. Bon, perso, je préfère quand il n'y a pas le liner. Hein. Ah oui? Ah oui. Là, ça fait un peu camion volé. Et puis surtout qu'il n'est pas mis pareil. Et ça, c'est la forme de mes yeux. Alors, comme on est en fête quand même, là, tu as iconique, à iconique, comme ça, ou le glow? Non, c'est celui-là. Et là, on va finir donc pour le maquin. Et alors, normalement, ce maquillage tient tous les jours, toute la journée. Non, on va éviter. Non, c'est pour que le maquillage tienne. Oui. Ah, non. Tu veux pas qu'il tienne? Non, je vais me démaquiller après. Ah oui, d'accord. Okay. Bon, ben voilà. Voilà, voilà. Je te mets sous les fards. Attends, ouais, faut... Oh, ça fait... Oh. Ouais, les yeux bleus. Oh. Bon, je trouve que c'est super. Attends, vas-y, je fais ça. Mmh. Ça fait deux, on s'avance. Voilà le mien. Il est joli. Ah oh, les cils. Les cils. Et on dirait vraiment j'ai un... Comme la dinde. Tu as foncé? Je suis la dinde de Noël. Non, je n'ai pas foncé. Je suis la dinde. Moi sans liner, tu as mis le mascara et tout. Tu as des cils qui sont magnifiques. Toi. Alors. Quand elles font l'hyposucée. Non, ça va. On muscle. Il disait pour muscler, faut mettre la langue au-dessus du palais. Pas coller au palais. Gars, c'est vrai, gars. Regarde. Et donc, tu t'as mis à faire ça. Ça retensifie. Oui, quand tu penses, comme ça. C'est pas que je mets ici, j'y arrive pas. Les autres que j'ai mis. Alléluia.
Donc, profitez-en. Je vais juste tester. Alors là, je me perds. Je l'ai prise à l'envers aussi. Voilà. Je pense que le maquillage. Et voilà. Moi, c'est terminé. Et cette fois-ci, oui. Là, on voit vraiment que c'est complet. On dirait que je vais aller faire le carnaval. Le goût. Elle me mange souvent. Non, mais on en mangerait, ouais. Non, mais. Et voilà le mien. Donc, avec les cils. Et le tien. Mais c'est pas mal. Alors, on en pense quoi? Clinique, le fond de teint. Qu'est-ce que non, nickel. Nickel, les poudres. Mais attends, on va voir tout de suite. Aucun résidu sur vos textiles. Tu vois, c'est fond de teint. C'est pas comme avant, quand j'étais plus jeune, il y avait le fond de teint, tu enlevais soit l'écharpe ou même la cagoule, parce qu'avant, on portait des cagoules. Des fois, oui, non, mais c'est vrai. Il y en avait plein dessus. Ces fond de teint sont poudrés, sont super. Le primer avec, je trouve que le fini est super, les pores et tout ça. Tu as vu, tu as regardé sur le miroir qui est loupe en plus. Et donc, tu as vu pareil, les fards. Pas mal. Le mascara au caviar, bah écoute, je pense que c'est sur la durée. Non, je cache mon... Les rouges à lèvres, toi tu adores. Ouais. Oui. En fait, rien à dire. Et alors, en ce qui concerne les box. Ah, bien. Box, oui. T'es sûr c'est 20 euros? Bah, je vais quand même vérifier, je vous le mettrai. Parce que d'après moi, oui. C'est, en fait, c'était pendant le Black Friday que j'ai acheté, j'ai commandé. Mais je regarderai par contre, oui, moi je dis oui aussi. À la limite, c'est un abonnement, c'est sous forme d'abonnement. Oui. Peut-être que vous les aurez moins chers. Je vais quand même vérifier avant de mettre cette information. Je te trouve magnifique. Oui, regarde. Non, mais. Puis t'as vu, moi, le teint, c'est plus aussi blanc. Mon Dieu, mais ces caméras. Arrête de faire. Je suis pas comme ça en vrai. On est toujours plus belle en vrai. Faut dire ici avec la Ray Light, avec toutes les lumières qu'il y a, on n'est vraiment pas mis en valeur. Si là on est jolie, c'est grâce au maquillage uniquement. Parce que là, non. J'en ai sur la dent. Je vais pas couper ça. Je vais pas couper, je laisse dessus. Bon, on est ok. Ouais. Ben écoutez, merci de nous avoir suivis. Si jamais vous voulez revoir une vidéo avec cette énergumène à côté qui est ma fille Mandy, en attendant, allez la voir sur sa chaîne. Elle chante divinement bien. Bientôt elle fera. Plaisir, hein, ouais. Elle fera peut-être aussi partie de The Voice. Sauf si un producteur me voit, hein, dans ces cas-là, 06. Et puis on verra. D'accord. Vous me le dites en tout cas. Et ne vous inquiétez pas, je vous donnerai ses coordonnées. Uniquement un producteur, les autres c'est pas la peine, elle est en couple. Oui. Donc, j'ai encore des trucs. Ah non. Tu peux arrêter de montrer les défauts. Si c'est pas possible, tu devrais prendre une chaîne toi aussi. Tu ferais une déconnerie dessus. Allez, bye à tous. Ciao, ciao. Et joyeux Noël. Noyeux Joël.